c'est noir, c'est bon signe. Pause. Bon, aujourd'hui, on va augmenter le rang de notre Yokai Watch. Oh god. Oh god, oh god, oh god, oh god. On est dans une Yalda, ce n'est pas possible par contre. Waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait cette voix, ça me défonce la gorge. Ah oui, ça c'est vrai, mon père qui ne sait absolument rien faire de bien. Fragile, va te faire foutre. Il est un petit peu trop honnête. Bon, est-ce qu'il fait mal? Ouais, pas mal. Hello les pixelos, c'est non, vous ne rêvez pas, c'est bien moi, ici, en chair, en os, en pixel, en écran, vous me voyez pas, y'a pas d'os, y'a pas de chair, pour autant que je sache, je suis une IA. Oui, ça fait longtemps que j'ai pas enregistré, ah j'ai trop hâte. La dernière fois, on avait fini l'arc chialade du jeu, donc maintenant, il est grand temps de reprendre les choses sérieuses. Ah, j'ai beaucoup aimé l'épisode de la dernière fois, les deux derniers épisodes en réalité, ça me changeait énormément d'habitude, je n'ai pas encore vu vos retours, mais hey, si vous aimez bien, peut-être que j'en ferai d'autres à l'avenir. Oh des corbeaux. Oh non, Bolos, il est là encore. Bon, là, on va faire un petit coup de Bingo Koi, parce qu'il y a des nouveaux surnoms en liste d'attente. Hop, tres personas disponibles. J'ai trois tirages, donc j'espère pouvoir un petit peu faire un pas en avant par rapport au surnom, parce que là, j'ai trois noms en liste d'attente. Oh, et bien sûr, ça a été randomisé, mais ça va de soi, hein. Vous êtes des malades. Allez, on se sent d'humeur mystérieuse aujourd'hui. Ah, c'est noir, c'est bon signe. Pause. Alors, si t'avais été rare, je me serais bien crié, mais en vrai, hé, j'aime pas mal pour le coup. J'aime pas mal. T'es hyper type électrique code et pas de réseau. C'est toi qui m'as libéré. Je suppose qu'on ferait bien d'être amis alors. Oh bah oui, bah de toute façon, je vais te mettre dans la team. Tu devrais être honoré. Oh, et au passage, là j'enregistre, je n'ai pas d'écouteurs. Le bolos que je suis, vous pouvez compter sur moi, je les ai paumés. Donc, là, pour que je sache, le jeu, il peut m'insulter mes grands morts, je n'en aurai aucune idée, je n'entendrai rien. Alors, le pas de réseau, il est pour, il est pour, il est pour, attendez, qui dit mieux, qui dit mieux, qui dit mieux? Et c'est pour Michael, bienvenue dans la team, en supposant que je n'oublie pas de te mettre. Bon, les nouveaux, j'ai une continuité avec mon amnésie, on va dire. Ah, allez, encore un truc bien peut-être? De l'or? C'est la toute première fois que ça m'arrive d'avoir un doublon. Bon bah c'est pas grave. Vous allez être frère et sœur. Frère et sœur. Ou sœur ou sœur. Ou peu importe. Bon, le deuxième pas de réseau, il est pour... Night RDM. Welcome, honey. Depuis quand c'est Whisper qui me suit? Attendez. Attendez, on va corriger ça. Voyons, j'ai des standards quand même. Alors là, faut que je me rappelle. Ouais, parce que là, en plus, attendez. Ouais, parce qu'en plus, faut que je remette Jibanyan dans la team maintenant. C'était en guise de punition pour nous avoir lâchement lâché. Mais hey, écoutez, vous savez quoi? On en a appris plus sur sa tragique backstory. Donc maintenant, il est pardonné, ok? Putain, mais vous avez des stats identiques en plus. Allez hop, Roms, merci infiniment d'avoir été avec nous. Nico, tu as été notre tank de démolition massive. Merci infiniment pour tous tes efforts. Bon, il est où notre Matou? Il est tout en bas, ok. Ouais, bon, par contre, il est pas très bro là, va falloir que je vous fasse XP de malade. Et on n'a pas de healer, c'est génial. Parfait. Bon, aujourd'hui, on va augmenter le rang de notre Yokai Watch. Parce que soyons honnêtes, sur une tier list YouTuber Yokai Watch, moi je suis S-tier, ok. Non, je rigole. Ouais, je pense que... Enfin, de toute façon, c'est obligé, hein, je n'ai pas le choix. Donc, je vais fermer ma gueule et faire ce que Monsieur Bellevue me demande. Alors, business time. Ah, ils sont tous les trois à San Fantastico? Ah bah, c'est génial, alors. Allez, hop. Ça va être Express Berbèche. Express Berbèche? Qu'est-ce que je raconte? Est-ce qu'il y a un prénom qui se termine avec Express? Hein? Elisabeth? Je sais pas. J'essaie de faire des rimes. On a la musicalité in the skin. Hop, heureusement qu'on a les télémières maintenant. Oh. Mais les ténénières, ça nous sauve des lives, vraiment! Plus que notre gouvernement, en tout cas. Ok, il y a un Gugus dans la ruelle, je sais pas ce qu'il fout, et honnêtement, je sais pas si j'ai envie de savoir. Quoi, mais... Adresse le bâtard, c'est pas possible! Alors, mon petit croquet, qu'est-ce qu'il y a? Je m'occupe à rien faire là! Ne m'attends plus jamais quand je ne fais rien! Oh bah, au moins, j'ai un jeu à faire, hein, écoute! Ah, les honey boos! Bon, attendez, vous savez quoi? On va mettre nos trois nouvelles recrues à l'avant. Allez, allez, Michéal, qu'est-ce que tu vaux, mon ami? Regardez, il est en train de se dandiner en bas! Allez hop, coup de foot time! Ah, ah, ils sont forts? Depuis quand? Hop, toucher dans le vide, vide, toucher dans le vide. Est-ce que c'est copyright? Je sais pas, mais je pense que ça devrait aller. Allez hop, Elias, ton heure de gloire est arrivé. Oh regarde, il est prêt à se fight. Allez, tu as fait la moitié des dégâts, c'est déjà pas mal franchement. Allez hop, Jibanyan, l'heure est venue de te racheter, ou pas. Bon,
C'est pas grave. T'auras ta rédemption plus tard. Ok, Zibayan, t'inquiète pas. Je crois qu'il me stocke, hein, c'est pas possible. Il est de partout. Je l'ai rencontré combien de fois depuis le début de Let's Play, c'est pas possible. Bon, je suppose que les deux autres Gugus, ils sont dans la cave, non? Allez, mais bon. Honnêtement, j'ai envie de dire, moi aussi, je sors jamais de la maison. Ça fait des années que je n'ai pas vu la lumière du jour. Je rigole, bien sûr. Allez, ouh. Cet endroit, j'ai pas l'association la plus positive avec, on va dire, mais c'est pas grave, on porte nos balls. Elles sont extrêmement lourdes. Ah, attendez, c'est quoi? C'est une carte qui lui sert de dépolière? Tu veux me défier dans une épreuve de force? Quelles sont les chances? Bon, allez, toi, t'es quoi? T'es... Ouais, excuse-moi, je t'ai envoyé mes mecs pour t'affronter tout à l'heure. J'avais un petit peu la flemme. Mais là, maintenant, là, j'ai bouffé toute ma weed. Là, je suis prêt à te dégommer la gueule. C'est ce qu'on va voir. Bon, en attendant, on a une fureur. Bon, écoute, t'es un requin, mais nous, on a un chat avec nous. Eh ouais. Allez, Kit Kat, ne fais pas cette tête. Tu sais très bien qu'il faut que t'ailles le buter, honey. Allez, bébé. Il pousse mal un peu, je sais pas, non? Il pousse mal un peu, je sais pas. Pas toi! Oh god. Oh god, oh god, oh god, oh god. Oh moi, oh moi, oh moi. Ah, il est en plus. Ah, ça va prendre une éternité. Alors, en vrai, là, les deux pas de réseau, ils ont l'air de faire énormément mal. Oups, désolé, Elias, j'ai pas fait exprès. Ah, il est gentil, en vrai. Ah, quelle âme clémente, Elias. Franchement, tu es mort en héros. Et par mort, je veux dire que je t'ai littéralement ramené, hein, à la vie. Allez, hop, fait. L'âme, elle nous a beaucoup servi, hein, quand même. Waouh. Allez, hop, bye, Dibanyan. Ah, c'est un twink. Hey, tu veux te battre contre moi? Bah, reviens plus tard, je dois me lisser les cheveux. Oh, ce n'est pas vrai! Quoi? Tu veux toujours te battre? Tu veux frimer, améliorer ta montre? Écoute, aujourd'hui est censé être mon jour de congé, reviens plus tard. C'est une blague, c'est ça? J'ai l'air de plaisanter, tu ne veux pas te battre contre moi, tu perdrais. Ah, j'en ai assez! Occupons-nous de lui, Pixel! Ouais, bon, qu'est-ce qui peut nous arriver de mal? Hormis le fait que ce sera un yokai et mitia. Eh, en vrai, il y a de la consistance entre les deux. Parce que le Bonto, c'était le croquin. Et là, le mec, je connais pas ton nom, je suis désolé, c'est un nobody, qu'est-ce qu'on en a à foutre de toi? C'est la fusion, je crois, de Bonto. Donc, clairement, ils sont passés des mots, hein, je pense. Ils vont me rendre zeng zeng. Zeng 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 zeng. Est-ce que vous reconnaissez le générique? Non, je pense pas. Je pense que genre, y a peu de personnes qui vont reconnaître. Oh, on est dans une mialdasse, mais pas possible, par contre. De l'argent, mais on est millionnaire, littéralement. Allez, les nouveaux. Oh, les nouveaux, vous gérez. Ok, là, on a trois bonnes recrues, là. On a triplé ton salaire. Maintenant, tu gagnes 2 euros de l'heure. Bon, comme en France, en finale. Tu as réussi, Pixel. Waouh, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait cette voix, ça me défonce la gorge. Allons, allez, retournons vite voir Monsieur Bellevue. C'était du gâteau. Et moi, j'adore les cakes. C'est quoi, ce truc en bas? C'est quoi, toi? Attendez, je reconnais pas. C'est le shiny de Paul Emile, ça, non? Bon, dans tous les cas, transition sûrement. Sauf si on tombe sur la terreur. Mais à son fantastico, c'est pas possible, je crois. Donc, yo! Et New Girl, je... Fuck la flèche! Allez hop, le vieux sénile. Fais ton boulot. Putain, n'empêche, Monsieur Bellevue, il a quoi? Il a genre 1000 ans, il travaille encore? C'est vraiment la France, en fait! Tu peux désormais ouvrir les verrous yokai d'Orambe. Bon, ça, je pense que ça veut dire qu'il y aura un verrou yokai à débloquer, je pense, non? Par contre, je vois pas quand est-ce que ça pourrait être. Genre, de souvenirs, de tête. Allez hop, c'est quoi qu'on a à faire ensuite? Attendez, hop, voyons voir. Ah oui, ça, c'est vrai, mon père qui ne sait absolument rien faire de bien. Comme dans la vraie vie! Non, je rigole. Aimez vos pères. Ah bah, attendez, c'est juste à côté, je crois, non? C'est juste à côté ou je trippe? Ah bah parfait. Bon allez, espérons ne plus jamais avoir à retourner dans cette gare. Ah ok, ouais. Je vais le choquer alors que genre on le savait littéralement. Ok, donc là faut qu'on aille à la gare du printemps parce que mon père il prend un train extrêmement précis et il tatillon. Ah bah puisqu'on est là. Je ne sais pas ce qui m'a pris de vouloir devenir une mascotte. Quelque chose ne va pas, Timours? Eh bien, j'ai chanté les louanges d'Ourcival toute la matinée. J'ai parlé de la beauté de ses environs, la nourriture délicieuse, nos yokai. Je n'ai jamais autant encensé un endroit. Mais j'ai l'impression que tout le monde s'en fiche. Oh, je vois. Ces gens de la ville passent devant le vieux Timur. C'est comme si personne ne me voyait. T'es un yokai, ouais. Eh bien, tu es un yokai. Mais tout le monde s'agite autour de ce yokai en forme de feuille d'érable rose. Ce n'est pas vraiment une feuille d'érable, ni un yokai. Enfin, je crois. Tu pourrais essayer une autre tactique. Tu as essayé d'envoûter quelqu'un? C'est inutile. Je rentre à la maison.
Pardon? Timo, ce n'est pas la mascotte qu'on s'y va le mérite. Oh, bébé. Je devrais en devenir le yokai normal que j'étais. Arrête! Tu ne devrais pas abandonner aussi facilement, fragile. C'est trop tard. On se revoit au Sival, les amis. Suivez-le. On a promis d'aider Timos et c'est ce que l'on va faire. Il a de la chance que tu aimes autant te mêler des affaires des autres. Moi, je n'ai rien à voir. Il me paye même pas. J'ai même pas de prime. Je travaille gratos. Je suis un fucking stagiaire. Excusez-moi, avez-vous récupéré un objet perdu dans cette gare? Je cherche une enveloppe marron avec des papiers importants dedans. Alors par contre, je veux pas dire, sans les télémir. Là, ils lui font faire des allers-retours de malade en attendant juste pour ce document, hein. Une enveloppe marron? Je n'ai rien vu de tel aujourd'hui. Oh, ok, merci quand même. Elle pourrait se trouver encore dans le train si personne ne la rattrape, ne l'a rapporté. Elle doit être dans le train en direction de la gare de la place de la fortune. Ok, le train direct, ok, merci. Je pense en avoir fini avec les trains, maintenant qu'on avait des miroirs. Pendant qu'on attend, Pokémon Horizon, ça reste un banger. Ça commence à sortir en français, allez voir. Franchement, vous regretterez pas. Quoi d'autre encore? Eh bien, je pense que putain, ça arrive quand le train? Ouais, j'ai beaucoup aimé le fait d'avoir une quête aussi centrée sur Jibanyan en fait. En fait, je pense que en grandissant, genre quand t'es petit, c'est hyper triste, tu vois, t'arrives pas vraiment à comprendre tous les enjeux de ce qui arrive à Jibanyan sur le moment, tu vois. Mais en grandissant, tu vois vraiment que c'est juste une façon à lui de tourner la page. Oh mon dieu, il fait nuit. Oh non, il arrive quand ce train de malheur? Mais c'est pas possible, ils le font exprès. Vous n'avez même pas la voix SNCF, vous en plus, monsieur. Alors par contre, la tour Excellence, elle me fait énormément penser à la tour d'Illumis dans Pokémon X et Y. Non mais c'est pas possible, il va pas venir. Oh, pff, je suis bête. Ah putain, le train direct, il ne marche que... Ok, 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 je viens de comprendre. Ok, je suis pas à la bonne gare en fait. Bon, ça arrive à tout le monde. J'avais horreur du train. Ah, je déteste ça. Hop, oui. Et maintenant, on recommence à attendre. Dans Whisper. Whisper, il est en train de bouffer de l'air, là. Ah, il dort. Non, je rigole. C'est moi, il repart dans le même... Bon, ok, il n'y a pas de rando qui sont venus nous faire chier. Ça tombe bien. On prend, on kiffe. Eh, Jibanyan. Jibanyan, il est d'accord, regardez. Vous avez vu comment il a regardé la caméra? Oh non, là il fait le timide. Oh non, là il a retrouvé un petit peu le courage en fait de faire face à ses fans, ses admirateurs. Ah mais non, là il veut un petit peu d'intimité. Là il en a déjà eu assez, tu vois. Parce que le voyage il est hyper long, tu vois. Donc forcément il a envie d'un petit peu sans, un petit peu de temps seul. Ah c'est piche, mais en brun. Excusez-moi, je cherche quelque chose qui a été perdu. Oh c'est toi, tu cherches une enveloppe marron, c'est ça? Hein? Comment vous le savez? Le téléphone! On a bien cherché dans la gare et autour, mais on n'a rien trouvé. Oh d'accord. Mais j'y pense! Et si cette enveloppe n'avait jamais été dans le train? Tu voudrais dire que papa se serait trompé sur l'endroit où il l'a laissé? Exactement! Il avait bien tout oublié, je me trompe! On n'a pas pensé aux autres endroits où il aurait pu oublier l'enveloppe! D'accord. Je vais donc aller voir papa immédiatement! Waouh! Tu perds pas de temps, toi! À ce que je vois. Bah écoute, vu tout le chemin qu'on a fait, j'ai envie de te dire, à ce stade, on y passe après, hein! Là, Nathan, il va avoir des jambes en acier! Il ne manque jamais le leg day, honey! S'il l'a vraiment laissé à un autre endroit qu'une gare, ne traînons pas! Bien! On va donc au bureau de ton père dans le centre-ville. Il travaille au 6ème étage de la tour de commerce de grand frère. À qui parlez-vous? Ah, faut que j'en prenne le train, y'a pas de sortie ici. Ah, je vous déteste. Ah, ils me font chier. Vas-y, pourquoi on peut pas descendre? Pourquoi y'a un mur invisible? Encore va falloir que j'attende que le mec il arrive. À tous les coups, le conducteur, là, il est en train de prendre sa pause déjeuner. Il est en train de se manger des snacks. Bon, on attend la gare centrale de Grandval. Ah bah le train il arrive, c'est super. J'adore comment... comment Nathan et Jibanyan, ils s'assient tout le temps à côté l'un de l'autre. C'est choupi. En vrai, je suis intéressé de voir si maintenant Jibanyan, il va avoir un gros changement de comportement dans le jeu ou pas. Genre, maintenant qu'il se rappelle des valeurs... qui est respecté à l'époque où il était avec Amélie, tu vois. En vrai, ça va être intéressant à suivre, en vrai. Ah, même Whisper, il est content d'arriver. Je viens de me réveiller au passage, donc là, il y a mon diaphragme qui me fait faire des bâillements. Je sais pas du tout si le bâillement, ça a à voir avec le diaphragme. Bon, peu importe. Ouais, t'attendras encore un tout petit peu, Ereal. Honnêtement, je pense qu'il y a moyen qu'on attende jusqu'au post-game, hein, mais... ne t'en fais pas. En vrai, de ce que j'ai compris... Bon là, papa il travaille encore, ça va là par contre. Oh, on va se prendre la terreur, on va se manger la terreur 100%. On va sauce manger la terreur. Allez! Dites-moi qu'il y a un télémir là-dedans, s'il vous plaît. Un télémir là-dedans. Pitié. Un télémir, s'il vous plaît. Waouh, waouh, ils m'ont même pas donné l'option d'aller dans un autre étage, tu sais. Oh non. Me dites pas que ça marche que le jour. Et qu'il va falloir que je me refasse un aller-retour encore. Ça commence à me tester ma patience.
Bon, il y a un tout pour tous ici, il y aura un télémire, on se téléporte à la maison, on dort, on vient ici, ok. Le plan, il est solide, il est check, rien ne peut l'interrompre. Là, la journée de travail de papa, elle est terminée à ce stade, hein. Mais bon, peu importe, whatever. Tiens, en vrai, il y a une différence dans ces dialogues ou pas? Nya, nya. On sentait vraiment la douleur, le karadev là-dedans. Papa! Ton document, tu démerdes et tu vas chercher toi-même, connard! C'est tellement con. In universe, it's so fucking stupid. Bon, qui va nous suivre? Vous savez quoi? Charlie, ça fait très longtemps qu'il n'est pas apparu. Donc, allez, à lui l'honneur. Bad voice line. Oh, tu sautes, attendez. Oh, c'est une rainette. C'est trop choupi, attendez. Waouh, waouh, waouh. Boing, 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 boing. Oh my god, j'adore. C'est l'heure de se coucher. Attends, je me demande, il va continuer de pleuvoir là ou pas? Allez hop, rebonjour monsieur. Ne me demandez pas d'où je suis rentré. Ah non, il arrête de pleuvoir. Ça aurait été cool qu'il pleuve constamment, mais bon. Enfin, vu ce qui se passe au niveau d'histoire, hein. Bon, au moins, on sait que notre père, il travaille pas jusqu'à 1h du matin. Et ça, c'est pas mal. Papa! Pixel! Que fais-tu ici? Je demandais à ta mère quelque chose que j'avais oublié. Mes documents! Je ne les ai pas trouvés. Va te faire foutre. Oh, je me serais trompé de fille. Je savais que j'aurais eu du ken la soeur de ta mère. Qu'est-ce que je vais faire? Tu es sûr de les avoir laissés dans le train? Je crois qu'ils étaient dans le train. Enfin, peut-être. Oh, mince, non. C'était avant de monter dans le train. Ou après être descendu, je ne me souviens vraiment plus de l'endroit où je les ai laissés, désolé! Vraiment? Shippo, c'est ça? Je ne pense pas! Ça pourrait être là de Shippo, mais... Je ne ressens aucun yokai dans les parages! Mais un yokai peut engendrer quelque chose comme ça! Non, non, Pixel! On doit penser autrement! C'est-à-dire? Des yokai peuvent effacer ta mémoire! D'autres peuvent t'aider à la retrouver! On pourrait trouver ses pouvoirs! Waouh! Ce genre de yokai existe aussi? Oui, bien sûr! J'en connais un! Yventouse! On dirait une tortue molle. Une tortue molle? Hein? Molle? Bon, on doit devenir amis avec ce yokai. C'est parti! Tu peux facilement trouver Yventouse autour de San Fantastico. Oh, c'est tellement loin. Ah, franchement, par contre, le créateur du mod, si un jour tu passes par là, merci d'avoir créé cette feature où on n'a pas besoin d'aller celui d'amitié avec le yokai personnellement. Merci, merci, merci. Ça me sauve tellement de temps. Allez, mon ami, à toi de jouer, Yventouse! Médaille yokai, activation! Est-ce que je le fais bien? Vent! Qu'est-ce que je peux faire pour toi? J'ai pas du tout c'est quoi son cri. Mon père a oublié des documents importants quelque part. J'ai besoin qu'il se souvienne de l'endroit où il les a laissés. Ah, je vois. Je vais raviver ses souvenirs. Wow. Oh, sexy! Hi! Vent! Quoi? Je me souviens de passer de serpent. Je me souviens de toute ma matinée. Oh, c'est bon signe. Ça veut dire que tu sais où tu as laissé les documents? Je vais me souvenir de ma journée depuis que je suis sorti de la maison. Et tu vas aller chercher toi-même, surtout, hein? Je me souviens que ta mère était très charmante quand je suis parti. Ok, papa, pas besoin de tous les détails. Hé, je te signale que toi, tu me racontes en détail tous les dates que tu fais avec Matt. Je ne veux aucun jugement. Tu as hérité ça de ton bon vieux père. En sortant, je suis passé à la banque sans pourceau. Sans puceau. J'ai 15 ans. Je suis allé payer les clubs de golf que j'avais commandé en secret. Et tu nous as... Oh, il est un petit peu trop honnête. Hein. Tu devrais peut-être en parler à maman. Ensuite, je suis passé au magasin de vélo près de la gare. Ah, on va débloquer le vélo? Mais je peux pas te dire pourquoi j'y étais, Pixel. Ah, oh, oh. Quoi? Pourquoi pas? C'est choupi. Est-ce que ça va être un cadeau pour Pixel? Enfin, pour Nathan? Pour rien. Après, j'ai marché de la gare du Soleil à la gare centrale de Grandval. En sortant de la gare, je suis directement allé chez Miam Burger. Bon, on a trois endroits, maintenant on va falloir aller partout, c'est ça? Tu te rappelles de tout ça, mais pas de l'endroit où sont les documents? Je me souviens de tout, sauf de l'endroit où j'ai laissé ces documents. Mais ils sont maudits ces documents. Il est passé par trop d'endroits. Mais il m'a donné des indices importants. Ton père est passé par la banque, le magasin de vélo et Miam Burger. Les documents sont sûrement dans l'un de ces endroits. Ah, on va donc devoir vérifier tous ces endroits. Ok, cette quête, elle est chouïa chiante et répétitive et redondante. Mais bon, elle est longue aussi, bordel de p... Bordel de moi, plutôt. Est-ce qu'il y a un bon endroit? Attendez, vous savez quoi? Je vais chercher sur internet. Savoir où est-ce qu'il faut aller, ça doit être tellement une save de temps pour les speedrunners. Ok, le magasin de vélo. Wouh! Regarde papa, je les ai trouvés. Oh, les documents, merci beaucoup. Hé, ça n'a pas été facile. C'est clair, bon Dieu, je te le fais pas dire. Tu me sauves la vie, où était-il? Au Coteau Fleuri, dans le magasin de vélo. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Oh. Allez quoi, qu'est-ce que tu faisais? Je crois que c'est le bon moment pour te le dire.
D'accord. J'ai vu que tes camarades de classe faisaient du vélo, Pixel. Ouais. Matt en est très fier par exemple. Et d'ailleurs c'est vraiment cool, je veux dire, à chaque fois on se fait des balades en amoureux avec le coucher du soleil. Il vous conduit la bicyclette pendant que moi je m'accroche à lui pendant qu'on voyage. Ah, c'est tellement agréable de passer des moments avec lui. Yo, hé, hey, le jeu est... Par rapport à Cathy et Balèze, vous avez vu à quel point il mentionne énormément Matt quand même, hein. Non mais je dis ça, je dis rien. Ok, je dis tout, je dis tout, je dis tout. Il y a aucune subtilité dans ce que je dis. Je pensais t'en acheter un. Un vélo? Pour moi? Vraiment? Ouais, j'espérais trouver le vélo parfait pour toi. Je voulais vraiment t'en offrir un plus tôt, mais tu étais parti chez mamie. Quand vas-tu me l'acheter? Je suis de repos demain. On peut se lever tôt et aller au magasin de vélo demain. C'est vrai? Ouais! Ah, c'est mignon! C'est une bonne chose d'avoir retrouvé ces documents, hein? Ouais! Ok, c'est mignon. Le père, je lui chie beaucoup dessus, hein. Mais c'est chou, c'est mimi, c'est mims, c'est bébou. Qu'il fasse un petit peu plaisir à son fils parce que Nathan, il a fait énormément pour lui. Je suis désolé de le dire. Pourquoi je suis désolé? Je suis zéro désolé, honey. Bonjour. Ah, tu es le garçon qui est venu hier. Et c'est ton papa. Bonjour. Oh mon dieu, on a la même voix. Bon, je vais garder cette voix parce que c'est quand même moi la voix de base, hein. Et au lieu, toi t'es un imposteur, hein, mec. Alors, t'as l'air sexy as fuck. Par contre, blond, t'as l'air d'être une blondasse magnifique. Mais ma voix, je gatekeep. Bonjour, je pense avoir oublié quelque chose chez vous hier. Pas de problème. Je parie que votre fils vous a bien ramené tout ça. Quant à toi, bravo. Ce serait pas un cadeau de remerciement, hein, par hasard? Merci encore d'avoir gardé les documents que j'avais oubliés hier. Ok, Pixel, choisis le vélo qui te plaît. Vraiment? D'accord. Attends. Ta mère sera furieuse si c'est trop cher. Peu importe, je m'en occuperai. Ce sera à moi de régler ça. Ton père, c'est un dur. Ah, oh, on peut vraiment choisir, attendez. Un adorable vélo sur lequel tu es libre comme le vent. Un vélo peint aux couleurs d'un coucher de soleil éclatant. Attendez, est-ce que ça a une importance ou pas? Attendez, Google. Google est ton bestie. Ok, je pense que ça change rien. Donc, on va juste prendre mon préféré. Mon chouchou. Et en vrai, bon, je vais être basique, hein, mais c'est celui-là que je préfère. Et ouais, le bleu, c'est ma couleur préférée, honeys. Damn. C'est presque comme si tout mon branding était bleu, mais bon, peu importe. Hé, hey, papa, regarde, regarde. Waouh, il est fait pour toi. Tu peux rentrer à la maison en vélo, si tu veux. Oui, je veux. Oh, bien sûr, Jibonian et Whisper, bien évidemment, vous rentrez à pied, hein. Faudra continuer de me suivre, hein, bande de rats. Tu rentres tout seul, alors, Pixel. Je suppose que tu vas vouloir faire un tour en ville avant. Ah, sûrement, oui. J'y pense, tu es à l'école élémentaire de Grandval. Il y a pas mal d'enfants de cette école qui participent à des courses de vélo. Des courses de vélo? Waouh, ça a l'air super sympa. Tu devrais essayer. On va chevaucher Monsieur Vélo comme pas deux. En plus, ça me fait aller méga vite, donc bon. Enfin, peut-être que ça ne t'intéresse pas. Si, ça m'intéresse. Tu devrais d'abord t'entraîner un peu au vélo. C'est parti. Ça marche. Quoi, une mécanique de... Ah non, ok, ça va. La quête est terminée maintenant. Vas-y, Whisper, même si pour le coup, je pourrais pas t'entendre. Parfait. Je n'ai aucune idée de ce qu'il m'a dit, hein. Je n'ai pas d'oreille, peut-être pour rappel. Je suppose qu'il m'a insulté mes grands morts. Et dans ce cas, tu t'y connais en tant que mort, hein, Whisper? Je préfère l'étoile filante. Attendez, quoi que, attendez. Ah bah, j'ai pas le badge. J'ai pas le badge Buzz l'éclair, donc je prends en vrai. Oh, un bingo. C'est qui, c'est l'aspirateur? Jackpot. Nya. Eh, hey, en vrai, hey, Karadev, Jibanyan, il prend des initiatives maintenant, il fait le ménage un petit peu. On dirait que la tempête approche. Il est temps de rentrer, tu crois pas? Rentre vite à la maison. Ouais, mais on le fera en vélo. En vélo, attendez, en vélo? Bon, on le fait en vélo. Allez, Charlie, suis-moi, garde le rythme un petit peu. 1, 2, 1, 2. Là, ceux qui voient derrière moi, je vais vous faire courir. Allez hop, à la casa. Vamos a la casa, a mime cousa cousa. Je ne connais pas cette chanson, mais bon, peu importe. On fait un freestyle. Encore une journée bien remplie. Je me demande si la tempête est bientôt arrivée. Il a l'air de vraiment aimer la pluie quand même, hein, Nathan, j'ai l'impression. Mes pronostics de balai me disent que tu seras déjà endormi. Quoi? Oh non! Je voulais voir la tempête battre son plein. Je veux assister à la fin du monde, moi. Elle arrive, elle arrive. L'homme est trop con pour se sauver de lui-même, t'inquiète. Si l'homme faisait des efforts, il pourrait peut-être arriver à quelque chose. Mais il faut bosser ensemble, honeys. Oula, t'as un de ces looks hyper sneaky, j'ai pas de mytho. Berk, il recommence. Oh, ah, c'est mon stud, mon BG. Il est BG, je suis désolé de le dire. Smash, smash, smash. Ton costard, tu peux le retirer. Et ton slip aussi. Oh, ça brune, ma chère et tendre. Oh, ça brille, mon bien-aimé. Elle est mignonne aussi, elle aussi. Peu importe, tu es une bouffée. Je serai à toi pour le reste de ma vie. Ah, donc là, on reparle un petit peu du bouffi, du conflit. Du conflit bouffi entre les bouffis et les farceurs. Et peu importe que tu sois un farceur, tu seras toujours là
C'est vraiment Roméo et Juliette en fait. Genre un amour interdit quoi. Ah, ils sont kawaii. Arf, il faut que ça s'arrête. Ça dégouline d'amour. On dirait qu'il me nargue. Oh non, pourquoi tu es... Tu sais donc qui je suis. Oh, t'as l'air... Tu peux montrer ton torse que t'as l'air pas trop moche en vrai. Bon alors, à part tes oreilles sont dégueulasses, mais en vrai, genre, t'as l'air d'être sexy en dessous du cou en fait. Des tourtereaux qui minaudent juste devant moi. Y a pas pire que ça. Hé, hey, du balai. Ah, ça va juste empirer. Je dois aller chercher de l'aide. Téléporte. Est-ce qu'on va se l'affronter aujourd'hui? Putain, par contre, j'ai très peur. Parce que là, Barbe Frousse et Marie Lorge, je m'en suis pas remis encore, hein, qu'on soit bien clair. Je suis traumatized. Traumatized. Ça se fait vraiment fort dehors. J'espère que tout va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer. C'est une situation très problématique. Salut, moi, c'est Pleurapluie. Tu dois vous aider, gamin. Et vite. De quoi tu parles? Tu es en train de dégouliner sur mon sol au passage. Non, je suis désolé, c'est juste la piste de chat. Je sais pas d'où ça vient. Jibanyan, il est en mode. Oups. Écoute, petit, tu es célèbre. Tu as le UK Watch et je te cherchais. Ah ouais, mais genre, il a vraiment une fame, Nathan? Il a vraiment de la popularité autant que ça? Ok. En vrai, je me demande, genre, à quel point il est connu, Nathan? Et genre, pourquoi? Parce que là, dans cette timeline-là, enfin, attendez, dans cette timeline-là, est-ce que. Il a battu McCracken, Nathan, ou pas? Parce que moi, enfin, moi, j'ai parti du principe que c'était une timeline différente, en fait. Enfin, je veux dire... Ah non, attendez. Non, ça, c'est la timeline après qu'on ait fixé celle qui était pourrie avant. Donc là, c'est la timeline remise à jour, donc en succession du premier jeu. Est-ce que je comprends bien? Je sais pas, je suis pas sûr à 100%. Dites-moi dans les commentaires, mais je pense que c'est ça. Je sais pas. Et qu'est-ce qui t'amène ici? Attention au plancher, s'il te plaît. C'est le bizarre dehors. À ce train-là, la ville entière sera balayée. Hein? Oh, c'est sérieux un petit peu. Quoi? Pourquoi tu me dis une chose pareille? Cette tempête violente, c'est l'œuvre d'un yokai en colère. Les yokai peuvent déclencher des tempêtes? Ouais, et on doit arrêter cela. Petit, viens avec moi. Oh putain, j'ai envie de rôter, c'est pas possible. Oui. Ceci est une chaîne très glamour, voirez-vous. Voirez-vous? Non. Verrez-vous, excusez-moi. Wow. Pas voir, verrez. Je l'attendrai dehors. Dépêchez-vous. Jibanyan, il est pépouze, hein. Va voir dehors, en sortant. Attendez, il y a une tempête. Oh là là. Bon, papa, maman, je vais sortir dans la tempête, hein. Merci beaucoup de m'avoir aimé pendant ces 10 dernières années. Ça souffle super fort, c'est dingue. Arrête de te plaindre, petit. Si on n'agit pas vite, tout le monde en pâtira. C'est drôle la façon dont il court. Allez, qu'on est en fast. Oh wow. Et c'est dirigé droit vers le cœur de la tempête. Allons courir vers Pleurapluie, Pixel. Pas du tout dangereux, j'en suis sûr. Y'a des yokai qui traînent. Bon, là je pars du principe qu'il n'y a pas de terreur, hein. Hein? Pas de terreur? Là c'est une phase où la terreur elle est lock. On est d'accord. Attendez, c'est quoi? T'es hyper rare je crois. Attends, viens, on va t'affronter un petit peu. Un petit peu de combat dans la vie. Ça fait jamais de mal. Ah, on a un autre Frignan. Attendez, je crois que c'est ça qu'il aime. Ah non, on peut passer d'amitié avec eux là. Ah ouais, tu sais que c'est là, tu sais que là c'est grave. Bon, ça fait pas trop bobo. Bon, ok, la pastèque, elle a été explosée en 1000 morceaux. Bon, par contre là, se faire un boss avec aucun PV, ça va être encore chiant. Bon, en vrai, ça fera de l'XP, hein. Ouais, je pense que là, la terreur, elle est lock. Ok. Ouh, bon. Au moins, on est safe. Ah, on peut pas utiliser le vélo là. C'est dingue. Cette tempête balaye même les yokai. Attention à ne pas te faire balayer par ces yokai violents. Volant. Attention. Ah ouais. Ah, c'est trop drôle. Tourner dans le vide, vide. On te suit comme ton ombre. Hein? C'est peut-être pas si mal que ça après tout. Attention. Allez. Un tout petit peu. Faudra pas que j'oublie de sauvegarder, hein. Attends, hop. Ah, avant toute chose. Ouais, parce que là, on va encore galérer comme jamais. Le yokai qui est derrière cette tempête est près du fleuve. Allons l'attraper. Par ici. Je pense qu'avec le son de ma voix, je pourrais en briser des fenêtres, hein. Parce que waouh. Oh non. Ça brille tout dans le pétrin. Je me demande bien, ça va être quoi son point faible à lui, hein. Pour des ennemis jurés, vous autres farceurs et bouffis, vous entendez bien? Ah, donc ok, donc vos autres farceurs et bouffis, il a pas l'air d'être impliqué dans ce conflit. Donc je suppose que c'est pas un truc qui implique tous les yokai. Je pense que c'est vraiment genre deux clans bien définis, bien restreints, avec des personnes bien définies. Ma chère. Mon tendre, ça brille. Wouah, yeah. Personne ne m'aime. Et le roucoulement des tourtereaux me rend fou. Ah non, il va trop ma dump. Si on n'aime pas les tempêtes, c'est juste parce que ça fait peur. Oh,
en vrai, c'est ok, ouais. Personne n'aime les tempêtes. Non, en vrai, Nathan, il aime les tempêtes, mais il t'aimera pas, toi, hein, parce que, eh oh, Nathan, il a 11 ans, toi, t'as chié par combien de milliards d'années? Non, non, non. Next. En vrai, c'est cool qu'ils aient associé le fait que le yokai soit pas aimé parce que les tempêtes sont pas aimées. Eh, arrête de faire souffler un vent pareil! Tu as balayé toute la ville! Silence! Peu importe, tout le monde se fait balayer au passage! Yep! Heureusement que j'ai sauvegardé! Par contre, t'es un twig de malade! Non, je suis désolé! Eh, ton corps, il est hyper long! T'es un élastique! Bon, on n'est pas soigné. On a une équipe comme ça qui a l'air pas mal en vrai, mais bon, une équipe comme ça, quoi! Tout va bien pour le meilleur des mondes! Bon, alors déjà, il va nous envoûter. Et on a toujours pas de healer, hein, pour rappel. Bon, est-ce qu'il fait mal? Ouais, pas mal! Enfin, si, justement, il fait mal. Attends, hop. Ok, alors, hop. Bon, on fait pas trop mal de dégâts, c'est déjà ça au moins, on va dire. Oh. Ouais, là ça va être encore moi qui va devoir encore spammer 1 million d'items, ça va être insupportable pour moi. Ok, Jibanyan. Vraiment, la multime Jibanyan, elle est hyper efficace dans beaucoup de situations, hein. Surtout dans les trucs où il faut target masse truc en fait. Les trucs où il faut target masse truc. Je suis très éloquent, hein, vous aurez remarqué. Oi. Ok, peut-être qu'il faut que je vise les mains d'abord, qui sait, je sais pas du tout. Ok, ouais, il fait... Ouais, ça va pas être beau à voir. Bon, allez hop, les Padri Bro, c'est à vous deux. Mikael et Knight RDM. DM Discord. Tourne. Allez. Oh putain, on va rater l'âme. Allez. Ah, j'ai raté. Bon, en vrai, ça pourrait être pire. Ça pourrait être bien pire même d'ailleurs. Ok, difficilement pire. Ça serait très compliqué de faire pire. Ok, alors, je suis désolé, je vais mettre... Alors, Mikael, va falloir que tu prennes pour la team, hein. Je suis vraiment désolé. J'adore comment, genre, t'as toute la team qui bat en retraite et t'as juste le seul mec, le pauvre, on le laisse tout seul. Face à ça, hein, face à ce colosse quand même. Allez, Mikael, tu mourras en héros. Je veux vraiment que tu le saches, ça. Œil du cyclone. Ah, dégage tes mains de là. Non, en vrai, sur moi, tu pouvais poser. Mais pas sur mes yokai, ok? Allez hop, Jibanyan. Non, non, pas toi. Boxhead. Bon, écoute, Boxhead, pour le moment, j'ai eu très peu de choses à redire sur ta façon de combattre. Ne me fais pas commencer. Ah, faut fermer ses trois yeux, en fait, c'est ça? Non? Je crois que c'est ça, non? Au moins, c'est pas comme le premier combat de Laure et Marge où vraiment, c'était infaisable. Là, il y a possibilité que ça passe. Mais ça va être méga chaud. Ah, merci, Elias. Ah, ok. Allez, la main gauche, maintenant. Je me demande ce que ça fait, quand même, je vous avoue. Ok, Mikael, GG pour ça. Ok, en vrai, Elias, avec ce talent-là qui lui permet de donner des PV quand il meurt, c'est hyper utile de le soigner, en fait. En fait, c'est hyper optimal. Ok, on va y arriver, je pense. Je sais pas encore, en vrai. Ah, en vrai, ça va être chaud. Le tonnerre contre le tonnerre. Ah! Putain, ça a pris des plombes. Attendez, on va soigner un yokai, on sait jamais. Allez, Jibanyan, juste avant que je dise ton âme ultime, s'il te plaît. Allez, dis-moi que c'est bon, là, s'il te plaît. Mes bruits de singe. Ok, allez. Qu'est-ce qui se passe? En fait, je vois pas ce que ça change, le fait qu'il ferme ses yeux ou pas. Genre là, ses yeux, ils sont fermés, mais ça change quoi par rapport au fait qu'il soit ouvert? J'avoue que j'ai un petit peu de mal à comprendre comment il marche, celui-là, je vous avoue. Allez, Lies, aquatac, nice. Allez, atterri. Nice, GG, Lies. Allez, hop. On a défoncé sa couille gauche, sa couille droite. Maintenant, il reste plus que sa verge. Bon, j'espère que ses mains, elles restent toujours comme ça, hein, quand même, on est d'accord. Ok, Lies, il va redonner des PV. Il va rendre des PV. Ok, c'est nice, c'est super. Ok, c'est cool. C'est ce frein qui te plaît. Allez, Jibanyan. Jibanyan, c'est un MVP quand même, hein. Oh, allez, Jibanyan, plus rapide, Jibanyan. Plus speed. Allez, buzz l'éclair, c'est une chiffre molle à côté de toi. C'est clair, Jibanyan. Allez. Ça va, ça passe. Ouh, ok. Mais en vrai, attendez, en vrai, avec le talent de Fukapa, juste on réanime Lies à l'infini, et c'est bon en fait, je pense. Je pense que là, on a trouvé un hack, non, attendez. Surtout qu'en plus, Lies, il perd ses PV plus vite que les deux autres, j'ai l'impression. Donc en vrai, on continue de faire ça, et ça va aller. Là, il voit flou, là, le soleil, il est en train de lui faire mal aux yeux, hein. Attendez, on va voir ça. Ça leur rend tous les PV, c'est parfait. On a trouvé la solution. Ah, on est smart. On utilise nos brain cells. Notre matière grise là, elle est en train de bosser sa mère. Oui, la tienne de mère. Parce qu'on va défoncer la tienne. Et honnêtement, en tant que mec gay, je préférerais défoncer ton père, hein. Mais tu m'y obliges, ok? Donc je veux pas que tu me blâmes, c'est clair? Oh là, mon jeu a l'air de laguer de ouf. Lies, Chad.
Nice, ça tu gères. Tu fais plaisir, poteau. Depuis tout à l'heure, là, attendez, c'est lequel? C'est lequel, attendez, c'est Michael. Depuis tout à l'heure, Michael, il se repose, hein. Bon, en vrai, il a largement donné, en vrai. Ah bah... Ouais, il a largement donné sa vie. Allez, ça descend lentement, mais ça descend. Allez, on y est presque. Putain, on a que deux Okai dans la team, ça va être chaud bouillant. Enfin, ok, en gros, on en a trois, parce qu'on continue de ranimer Elias à l'infini, mais my god. Allez, ouais, on y est presque. Allez, yes. Oh non, il a honte de sa gueule maintenant. Oh non, me regardez pas, moi, là, il est en train de couler. Oh, ok. Oh, mon BPM. Mon BPM, bouffage de pensée par minute. Oh, oh my god, my lord. La tempête a disparu, c'est beau. En effet, la pression atmosphérique suivie d'une très grande quantité de... Tais-toi, la guimauve, c'est le petit qui a tout réglé. J'ai bien fait de le retrouver. Et voici un gage de remerciement. Ce fut un plaisir, petit. Ah, mon bras fait mal. Pleura plus. Oh, par contre... Oh, attendez. Oh, pourquoi ils lui ont donné des jambes humaines? Oh, c'est perturbant as fuck. Je pense qu'on a trouvé le vrai champion du lac des... Oh, mon stud adoré. Mon petit lapin en sucre. Y'a moyen que tu sois habillé, toi, ou pas? Mon rayon de soleil. Bon, ok, on va les laisser parce que c'est chaud. Oh, yes, yes. Oh, le bolossing de Whisper. On kiffe. On y danse tous en rond. Notre amour a été source de miracles. Oh, jamais je ne te quitterai. Burk, regardez-moi ces deux-là, complètement dans leur monde. Mon champignon tout doux. Ma douce colombe. Ah, c'est le symbole des mignons. Ah là là, je pense que en vrai, après un combat aussi chaud patate, ce sera un excellent moment pour terminer cet épisode.